Puxa, tá treinando. Tem na pele, almoçará e mostrei que já saiu e a disse que ele pode tomar a dose A e se titular de la clavicemia. Quando a sua herpetensis. Chers apprenants, aujourd'hui nous allons vous aider à réviser quelques notions en mathématiques, à savoir calcul du nombre d'apparitions d'une modalité, deux points, la fréquence et fréquence exprimée sous forme de pourcentage à travers un exercice tout à l'heure. Alors, suivez le libellé de l'exercice. Les élèves de CM2 d'une école veulent choisir parmi les quatre collèges de leur localité ce jeu qu'ils aimeraient fréquenter après l'obtention du CEP. Voici les résultats. Consigne. Calcule les effectifs de cette série statistique. Deuxième option. Complète ce tableau par les fréquences. Troisième question. Dresse le tableau par les fréquences exprimées sous forme de pourcentage. Alors, nous allons commencer. Commencer par le calcul des effectifs. Suis. Résolution. Premièrement, on m'a dit le tableau des effectifs de cette série statistique. Je mets petit a, je dresse le tableau des effectifs. Alors, comment je vais procéder? Je prends chaque modalité. Effectif, ceux des élèves qui vont fréquenter le CG1. Je compte. Un, deux, deux. Je pense que les parties des élèves qui vont présenter le CGE est 2. On continue. Je compte l'effectif des élèves qui vont fréquenter le CGE 2. 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus 6. Je calcule l'effectif des élèves qui va présenter le CG3. Parfait. 1, 2, 3, 4,
Nous calculons enfin l'effectif des élèves qui vont fréquenter le CGFAP. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Je calcule l'effectif total. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, l'effectif effectif total. Et à la fin. Alors, je passe à la question B. B. On dit complète ce tableau par les fréquences. J'écris B. Je complète ce tableau les fréquences. Alors, fréquence du CGE. Fréquence CGE. C'est égal à l'effectif d'une modalité. Je n'ai pas l'effectif total, c'est le rapport de l'effectif d'une modalité sur l'effectif total. Donc, on a 2 sur 20, 2 vingtièmes. Je calcule la fréquence des élèves qui vont fréquenter ce jeu 2. Donc, la fréquence des élèves qui vont fréquenter le CEG 2 égale l'effectif d'une série divisé par l'effectif total, ce qui nous donne 6 vingtièmes. Dans la deuxième, fréquence des élèves qui vont fréquenter maintenant le CEG 3. Fréquence des élèves qui vont fréquenter le CEG 3 égale à la rapport de la modalité divisé par l'effectif total. Donc, ça nous donne 7 vingtièmes. Je calcule maintenant la fréquence des élèves qui vont fréquenter le CEG 4. Cela est égal à l'effectif d'une modalité, le rapport de l'effectif d'une modalité sur l'effectif total. Donc, on a alors 5. Ensuite, en C, je calcule d'abord la fréquence exprimée sous forme de pourcentage. La fréquence exprimée sous forme de pourcentage. Pour calculer la fréquence exprimée sous forme de pourcentage, nous prenons la fréquence que nous multiplions par le numérateur par 100 divisé par l'effectif total. Alors, nous avons, donc en C, je calcule la fréquence exprimé sous forme de pourcentage.
surprenant. Les élèves qui vont fréquenter le CGE1, donc, hein, fréquence, je n'ai plus un pour le CGE1, fréquence en pourcentage égal. Les élèves qui vont fréquenter le CGE1 nous donnent 2 fois 100. Fois 100 divisé par 20. Après cette simplification, nous avons 10 ou 100. Nous continuons. Ensuite, nous passons à la fréquence en pourcentage des élèves qui vont fréquenter le CGE2. On procède de la même manière. Nous faisons fréquence en pourcentage des élèves qui vont fréquenter le CGE2. Ça fait 6 fois 100. Divisé par 20. Après simplification, on aura 30%. Je continue avec la fréquence des élèves qui vont en pourcentage des élèves qui vont fréquenter le CG3. Ça fait fréquence 7. Cette 20e fois 100, 7 fois 100 divisé par 20, ce qui nous donne 35%. Cette simplification. Je continue avec la fréquence en pourcentage de celles qui vont fréquenter le CG4. Nous avons 4. Ce qui nous donne 5 et 300 divisé par 20. Ce qui nous donne, par simplification, 25%. Et voilà, étant fini de calculer les effectifs, je peux remplir mon tableau de fréquence. Tout à l'heure, on avait effectif des élèves qui vont fréquenter le CG1, c'était 2. Pour le CG2, c'était 6. Pour le CG3, c'était 7. Pour le CG4, c'était 5. Et l'effectif total nous donnait 20. Étant donné que la fréquence est égale au rapport d'une modalité sur l'effectif total, ici, on aura aussi 6 vingtièmes, c'est-à-dire des élèves qui vont se passer le CG3, nous donne 20 divisé par 20 égale 1. Pour calculer la fréquence de cette série, on a fait 2 fois 100, 2 fois 100 sur 20, ce qui nous avait donné 10%. Ici, nous avons 6 fois 100 divisé par 20. Ce qui nous a donné, après cette multiplication,
100%. Il en est de même ici. 7 fois 100 divisé par 20. Ce qui nous a donné 35%. Et ici, 5 fois 100 divisé par 20. Ce qui nous avait donné 25%. Fréquence totale, ça fait 1 fois 100 divisé par 20, ce qui nous donne 100%. Et voilà, tu viens de faire une révision sur la manière de calculer les effectifs, fréquences et fréquences en pourcentage. Si tu as besoin, tu peux t'exercer à un petit exercice que voici. Alors, dans une classe de 50 élèves, 15 élèves ont 11 ans après comptage. Calcule la fréquence des élèves qui ont 11 ans. Alors, la fréquence des élèves qui ont 11 ans est égale à 15 sur 50. On continue. Deuxième question. Calcule la fréquence sous forme de pourcentage. Alors, la fréquence sous forme de pourcentage sera 15 fois 100 divisé par 50, ce qui nous donne alors les 30%. Et voilà, bravo à toi et à la prochaine. Merci.